Salut tout le monde, c'est Spectro, comme ça va, on se retrouve bien pour New Super Mario Bros. En tout cas pour l'épisode numéro 4 de ce Let's Play. Et dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais on a eu des morts, on a eu des morts en beauté. Et je crois que même on a eu un game over en plus, en tout cas dans l'épisode numéro 3, contre bien l'espèce de maison de boue justement. Et du coup on est obligé de tous retaper avant le château pour l'épisode numéro 4. Alors je sais pas, des fois il y a le... Non, pas ça. Alors des fois je sais pas ce qui se passe. Ça va, y a pas le fond vert qui déconne aujourd'hui, c'est cool hein. Oui, on peut faire du Just Dance sur Mario, c'est bizarre. Mais ouais, non. Ah, c'est un peu dégueulasse là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, là, là, là. Non. Et ici, je me barre. Ah, c'est le fauteuil qui déconne. Hein, d'accord. Ok, on est reparti en tout cas pour l'épisode numéro 4 de ce Let's Play. Parce que là, ça va être 2 semaines que j'ai pas tourné du New Super Mario Bros. DS. Donc, ouais, ça fait vraiment pas mal de temps. Oh, il me reste une vie. Oh bah. Pourquoi il me reste qu'une vie là? Oh, ouais, la carapace. C'est stylé ça. On va prendre ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Hein. J'ai fait quelques petites modifs au niveau du son. Logiquement, vous m'entendrez un petit peu mieux. Hein, logiquement. Mais bon, faut pas que je gueule non plus. Hein, parce que bon, hein, les voisins. Ah oui, j'ai eu quelques petits soucis dernièrement. Parce que vous savez, j'ai fait un petit live marathon Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1. D'ailleurs, ils sont trompés sur la jaquette. C'est ça qui m'a fait un petit peu rire. En fait, je vais vous montrer la jaquette de ce pas. Attendez, il faut que je me concentre un minimum. Que récupère en tout cas des pièces de jeu. Et donc, j'ai fait un petit marathon de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Mais en fait, sur la jaquette, c'est marqué Storm 1, mais Shippuden. Alors, attendez. Vraiment, je me concentre à cette. Quelle amie. C'est bon. Alors du coup, qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je peux aller dans le petit Bitonio là? Non. Pas de tuyau. Comment je vais faire là? Comment je fais pour passer par là là? Il doit avoir un mécanisme quelque part. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Putain, j'avais complètement oublié. Ah, c'est bon. Du coup, je récupère la première pièce. Ça se passe plutôt bien, et puis là voilà, nickel. Ok, donc là il faut essayer de remonter un petit peu la pente, parce que bon, je t'avoue, c'est un peu compliqué là. Là il me reste une vie, j'ai qu'une pièce. J'ai l'impression que ce niveau il est un peu barbant à la longue. Et putain, il fait chier, les niveaux de l'ours c'est vraiment chiant. Ah bah voilà. Et donc du coup, ouais, je vous parlais un peu de Naruto justement, donc ça s'est très très bien passé, hein, seulement quelques soucis au niveau des voisins. Hein. Je vais vous en reparler un peu plus tard justement au niveau de cet épisode de Naruto qui vous a beaucoup plu hein. Donc au total, donc pour faire Naruto Storm justement Naruto Ultimate Ninja Storm 1, il m'a fallu quand même 15 heures de jeu. Alors ce jeu était vraiment stylé. Cependant j'aimerais bien passer. Bon, c'est le game over. Ah non, j'ai récupéré une vie. Ah ouais, donc cependant, quelques petits soucis au niveau de ce jeu. Je vais vous expliquer. Donc du coup, la jaquette, donc c'est celui-là. Voilà, Naruto Shippuden Collection, comme je vous ai dit. Donc Naruto Shippuden. Et du coup, on regarde la boîte justement ici. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, vous voyez Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1. Donc ils se sont trompés au niveau de la jaquette. C'est assez marrant en passage parce que ben... Le Naruto Storm 1, c'est vraiment eh bien, l'aventure principale, mais sous forme de Naruto. Et après, 2 ans ou 3 ans plus tard, eh bien, c'est Shippuden dans le Storm 2, tout simplement. Et du coup, ça m'a fait un petit peu rire de voir ça dans ce marathon. Et puis dans les commentaires, ils disaient « Ouais, non, tu t'es trompé et tout. » Après, fait « Ah ouais, t'as raison. » C'était assez marrant. Et du coup, donc ouais, il s'est bien passé, malheureusement, avec des quêtes un petit peu répétitives. Parce que en fait, il faut faire des espèces de quêtes secondaires, mais un petit peu, on est obligé de le faire en fin de compte. Donc du coup on se retrouve un petit peu frustré bah, de ne pas faire vraiment l'aventure principale comme on voudrait faire dans un Naruto Storm quoi. Parce que j'avais fait un peu le Naruto Storm 2 du début de Naruto Shippuden à l'arc de pain. Moi j'appelle ça l'arc de pain, je sais que c'est peine mais moi je vous troll un peu avec ça. Et du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage justement de se prendre des missions un petit peu obligées. Des missions annexes, des quêtes annexes justement et on est obligé de le... De faire ces missions, monter dans des arbres. Oh, c'est pas possible. Ah, c'est encore un game over. Oh, c'est génial ça. C'est génial.
Et du coup, j'avais donné la note de 14, à peu près 15 quand même, parce que c'était quand même un bon jeu en soi, mais c'est dommage qu'il n'avait pas les cinématiques du jeu de Naruto. Et donc, du coup, bah, j'avais fait le live marathon dimanche. J'étais très fatigué, hein, je vous l'avoue. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah, bah c'est bien, on va récupérer une boîte surprise, ça c'est plutôt cool. Et ouais, et du coup, justement, j'étais très fatigué, donc après j'ai bien mangé parce que bon, je t'avoue que je commençais à avoir énormément faim. Oh, j'ai vraiment pas de chance là au niveau de cette game. Oh, t'es pas sérieux. J'ai le tout petit Mario, justement, je me fais toucher une fois et après j'ai perdu le niveau. Et ouais, donc du coup, bah les voisins, ils ont. On va dire, ils ont pas porté plainte, mais on va dire, ils ont dit à mes parents, ouais, Francky, enfin Spectre, Francky, il a fait du bruit. Et sur le coup, bah, ça m'a un petit peu énervé parce que je parlais pas très très fort et tout. Et il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas des haut-parleurs avec des cinématiques, etc. Il y avait juste ma voix et du coup, ça m'a un petit peu énervé. Eh bien, j'ai vu ça justement mardi parce que je tourne ça mardi. J'espère vous le poster aujourd'hui, justement, après ce tournage. Eh bien, je vais vous faire le montage et ensuite, je vous upload ça. Et je me suis fait déglinguer par le bloop, c'est un peu normal parce que bon, je me fais toucher, je suis un peu mort. Et du coup, ouais, j'étais un peu frustré justement. Qu'à ce qui paraît, des voisins m'entendaient pas dans ce bâtiment-là, mais dans l'autre bâtiment, justement. C'est ça qui est un petit peu surprenant d'avoir des murs en carton. Hein, et du coup, ça m'a un petit peu saoulé, je t'avoue. Donc, du coup, je pense au niveau du prochain marathon Naruto Storm, vu que voilà, à ce qui paraît, il y a des plaintes et des conneries comme ça. Bah, c'est un peu compliqué pour faire les marathons. Du coup, je pense que le samedi, on les fera beaucoup plus tôt, le Naruto Storm. Par exemple, Naruto Storm 2, justement, on le fera aux alentours de midi. Parce que bon, j'avais commencé le live à 15h, j'avais fini à 5h30, 6h du matin. Donc c'est vrai que quand même, ça fait quand même pas mal de temps et tout. La rediff est dispo, mais pas bah, toute la partie. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu le bémol en soi. C'est que toute la partie du live n'a pas été prise en compte. Et je pense qu'on... On peut rec que 12 heures de live en fait. Au-delà, ça ne marche pas et donc du coup c'était 11h55. Bon, j'ai pas compris pourquoi il m'apparaît que les 5 dernières minutes, mais bon, passons. J'étais un petit peu dégoûté, je t'avoue. Donc du coup, il faut que je mette à disposition la dernière rediff du marathon de Naruto Storm 2. Sinon, les gens ne pourront pas accéder, eh bien, à la fin justement de ce jeu qui a été fait en live justement sur la chaîne Twitch et aussi sur YouTube parce que c'était en double flux. Donc il faut que je remette ça en rediffusion. Et après ça, en plus, j'ai regardé brièvement que Pokémon Shuffle, l'épisode numéro 46 ou 47, je ne sais plus c'était lequel, bah, pareil, YouTube a déconné au niveau de la rediff. Et du coup, il y a toute une partie, je pense, il y a environ 30 à 45 minutes de live de Shuffle. Bon, c'était pas le live que j'ai fait justement dimanche, mais c'était l'autre live. Donc voilà, il y a aussi ça, le Axe veut prendre sa place justement au niveau de cette rediffusion, je voulais pas encore poster justement, il y a pas mal de choses que j'ai pas pu faire entre temps. Lundi j'ai rien foutu, je sais pas ce qui s'est passé lundi, j'avais pas envie de tourner. Bah écoute, j'ai pas tourné, voilà. Et du coup, bah, j'étais en train de ranger un peu mon ordi, tout ça, parce que c'était vraiment le bordel et tout. L'ordi est un petit peu mieux justement, et je trouve qu'il est un peu plus rapide. Donc on verra par la suite. Mais d'après ce que j'ai vu, ouais, l'ordi est un petit peu plus rapide. Donc c'est vrai que je l'ai pas nettoyé dernièrement le PC. Donc il faudra peut-être que je le fasse au bout d'un moment. Je crois que ça fait à peu près 6 mois que je l'ai pas nettoyé. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui se connaissent un petit peu au niveau des PC. On doit le nettoyer quand à peu près l'ordi. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire ça une fois par mois justement. Ils nettoient l'ordi. Et là il pète la forme. Il est moins lent justement. Surtout que quand tu télécharges des trucs, faut décocher les trucs, sinon après tu peux t'attraper des conneries, des virus à la con. Bon, on va faire quand même attention. Et de toute façon, je télécharge pas énormément, justement, donc c'est plutôt cool. Ah, donc on a récupéré une fleur de feu, c'est plutôt pas mal. Alors, comme je l'avais dit dans les tout premiers épisodes, je voulais savoir justement, eh bien, si je ferais les pièces à 100%. Mais vu que vous m'avez pas répondu dans les commentaires, eh bien, je me suis dit, bah, je pense que... Soit je le ferai en vidéo, toutes les pièces, le 100%, ou soit je fais juste la partie principale, à savoir les 8 mondes. Mais vu que vous m'avez pas répondu, j'espère que vous pourrez me répondre au niveau des commentaires, justement, pour savoir si je dois finir à 100% ou pas. Donc si vous pouvez me le dire, bah, ce serait fortement sympa de votre part. Ah, je me suis fait guaquer par la tortue à la con, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Comment je fais pour passer? Alors là, je me pose la question.
Alors, c'est pas le plus utile, justement, de prendre l'espèce de tortue à la con, là. Je t'avoue. Oui, c'est pas vraiment très judicieux de prendre ça. Là, je pense que ça va être un peu mieux. Vas-y, go. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est vrai que le niveau des manueurs, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Là, il n'y avait pas de porte, justement. C'est ça que je me disais, c'était assez bizarre. Mais il n'y avait vraiment pas de porte du tout. Du coup, bon, je pense qu'on va continuer un petit peu sur cette route. Ah, c'est la porte qui est ici, d'accord. Je me disais, mais c'était assez bizarre. Mais en fait, faut vraiment se dépêcher. Et du coup, voilà. Bon, ça va, le timing en lui-même, il est pas très compliqué. Et du coup, ouais, donc pour les prochains Naruto Storm, je pense que je commencerai beaucoup plus tôt. Alors, ce samedi-là, il y aura pas de marathon Naruto parce que il y a le marathon Pokémon. Oula, 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 ça déconne, ça déconne. Le fond vert déconne. Je ne sais pas pourquoi il déconne en passant, mais je vais voir. Attendez, on va allumer la lumière, je pense. On va juste appuyer sur Start. Comme ceci. Et je vais juste allumer la lumière. Là, je pense que ça devrait être beaucoup mieux et je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Alors, je comprends pas pourquoi il y a espèce de l'ombre ici. Je sais pas ce que se passe en tout cas. Et le fond vert redéconne. Oh, c'est pas possible. Pourquoi le fond vert redéconne à ce moment-là? Peut-être qu'il faut que je me mette en hauteur comme ça. Et du coup, ça devrait être mieux. Non, je sais pas. Je me pose la question. Je sais pas si vous êtes amateur de fond vert. En tout cas, j'ai pensé que c'était une bonne chose. Mais c'est quand même assez chiant des fois à régler ce genre de problème. Pourquoi toute cette partie-là, elle déconne? Peut-être qu'il faut que je ramène le fond vert et qu'il me casse la gueule. Ouais, c'est pire en pire, hein. On est d'accord, hein. C'est la merde. Je crois que je vais marquer bataille avec le fond vert. Putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça fait ça en fin de compte? What? Genre, tu mets comme ça et il n'y a plus de fond vert. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est la merde! Putain, comment je vais faire? Je me demande si j'éteins la lumière, c'est beaucoup mieux. Attends. Là, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu plus dégueulasse, je t'avoue. Et si je mets un petit peu de blanc sur le deuxième écran, ça devrait être mieux ou pas? Ah, ouais, un peu mieux, hein, c'est un peu mieux. Hein. C'est pas le plus... Ouais, bah écoute, on va faire comme ça, hein, je suis désolé. La prochaine fois, j'essaierai de régler beaucoup mieux le fond vert. Bon, après, c'est vrai qu'il va commencer à faire nuit, il est autour de... 10... Ah oui, déjà 18h, ah oui, d'accord. Je sais pas, la vidéo fera combien de temps, en tout cas, mais... C'est un petit peu bizarre, à des moments. Le fond vert est plutôt parfois capricieux. Et en plus, il faut savoir justement que le problème, c'est que, bah... J'ai pas vraiment de grosses distances, en tout cas en matière de cam et de fond vert. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça provoque des bugs, c'est que ma chambre est trop petite. Et du coup, bah, je suis un peu bézaille, quoi. Ah, bon, on va faire le château. Alors, je sais plus si je vous avais montré le château. C'est quoi, là, ce que j'ai reçu, là? Ah, c'est quelqu'un qui a follow, d'accord. C'est Monsieur Piroli. Merci d'être follow, en tout cas, sur la chaîne Twitch. Des bisous à toi. On sera en live, tu sais. Des bisous, merci pour le follow. Ah là là. Ah ouais, c'était chiant ça. Ouais, je me rappelle maintenant. C'était vraiment très très chiant ça. Alors, je sais pas si on va réussir le monde 3. Hein. Là, clairement. Hein. Ouh là là, ce axe, mon gars. Ce axe. Voilà, attends, si je passe par là. Alors, du coup, ouais, j'avais aussi l'idée justement de faire un spectro point, je pense, bientôt et tout. Mais le problème, c'est que. Bah, je sais pas. Je sais pas. J'ai envie de faire un spectro point, mais. J'ai pas d'idée, donc du coup j'en fais pas pour le moment. En fait c'est ça. C'est que depuis pas mal de temps, j'ai envie de faire un spectro point, j'ai tout le sujet et tout, mais quand j'ai envie de le faire, je sais pas. Je me dis non. Je me dis non, ouais. Je me dis non, après voilà. Hein. T'as des moments comme ça justement, quand tu veux faire une vidéo et quand tu vois que bah, voilà, t'as fini ta vidéo et que tu trouves que bah, ta vidéo, bah, pour toi c'est de la merde. Peut-être pour les viewers ça peut être stylé et tout. Mais pour moi, je trouve que c'est de la merde. Du coup, bah, je l'ai recommencé plein de fois. Et du coup, je sais pas quand je pourrais la retourner. Parce que là, là j'ai envie de la tourner, par exemple, tu vois. Mais sur le coup, je sais pas comment elle va se rendre. Du coup, bah, je pense que ça fait deux, trois fois, justement, que j'ai recommencé la vidéo. Et pour ma part, vous aurez dû avoir le spectro point depuis 2 semaines. Et voilà. Donc du coup, bah, quand j'aurai envie de la retourner, justement, je la retournerai.
Et si je vois qu'elle est bien, je vous la posterai, voilà. Des fois, ça m'arrive, des fois, de me dire, voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau de ce spectre point. Après, je trouvais qu'il était un peu trop long, il faisait quand même 45 minutes à peu près, voire un peu plus. Et du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire, justement, au niveau de ce spectre point. Donc, je trouvais que c'était quand même judicieux d'en faire un, mais bon. Oh, heureusement, j'ai des frappes d'invincibilité au bout d'un moment. Hein. Et du coup, ouais, au niveau du spectre point, bah, écoutez, c'est un petit peu compliqué, voilà. Alors attends, est-ce que je peux passer par ici pour récupérer la troisième pièce? J'ai l'impression que si je récupère la troisième pièce, je vais mourir dans d'affreuses souffrances. Et j'ai l'impression qu'il fallait plus se faire toucher, en fait, une fois, justement, pour se permettre de récupérer cette pièce. Bon, passons, c'est pas grave. On verra bien pour la prochaine fois. Voilà. Ah, le petit Bowser. Alors, je sais plus où j'étais mort, justement. Je crois que j'avais même pas montré la forteresse. Ah si, 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 je crois que je m'en rappelle de ces trucs chelous, là. Oui, oui, je me suis fait bouffer, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là, je le touche. Donc je crois qu'il faut le toucher trois fois, justement. Ah, j'ai pas réussi. Et les. C'est plutôt les. Comment ça s'appelle? Les push-up. Je sais plus comment ça s'appelle. L'espèce de poisson, là. Les choupis, les trucs, les. Ah merde, je vais mourir. Ah, j'ai réussi. Très très bien. Donc donne-moi la clé. Et voilà, on a réussi justement le monde 3. J'ai l'impression que ma mère est un petit peu plus en avance. Elle est au monde 5, je crois, un truc comme ça. C'est chaud quand même, hein. Oh là là, le fond vert qui redéconne. Oh, c'est la merde. Bataille avec le fond vert, c'est clair et net, hein. Je comprends pas. D'habitude, ça marche bien. Mais vu que j'ai changé un petit truc dans le setup, j'ai l'impression que peut-être que la cam, au niveau de la distance, le fond vert le voit pas forcément. Ah, oh, je sais pas, c'est bizarre. J'aurais pas dû faire de changement. Du coup, on est au monde 5. On passe du monde 3 au monde 5. Ah oui, c'est sûrement une warp zone quelque part. Ça doit être ça, ça doit être ça. Putain, le fond vert est complètement dégueulasse. Ah, oh, c'est la merde quand même. Par contre, il a tué tous ses potes, ça c'est plutôt cool. Comment je vais faire là? Non! Ah, j'avais oublié ça. Ça, c'est vrai que le monde de neige, je les aime pas trop. Ah oui, d'accord, j'étais pas à Mario plus grand, d'accord. Putain, le fond vert qui est dégueulasse, quoi. Peut-être parce que je mets du noir aussi. Ouais, ça doit être parce que je mets du noir. Et si j'enlève tout? Non, mais je vais pas le faire, mais... Putain, c'est un peu la merde. Et si je fais ça, par exemple? Attends, si je fais ça... Ça doit être les ombres, hein, à mon avis. Et si j'allume cette lumière? Ah, c'est pas possible. Putain, j'ai failli me casser la gueule. J'ai failli me casser la gueule. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ah, bah oui, c'est génial. Ah, bah oui, j'ai compris, parce que la cam est juste à côté. Donc, du coup, la première lumière reflète le fond vert. Et c'est... Ah, ouais, c'est imminent. Bah, c'est stylé. Ah d'accord, bah voilà, on a un fond vert tout à fait magnifique. Mais c'est trop bien ça, putain, bataille avec le fond vert, ça sera le titre de la vidéo, hein. Clair et net, hein. Allez, clairement pas de montage, franchement pas de montage, parce que il faut voir ça quand t'es aussi petit youtubeur. Il faut se dire, tu fais quand même des conneries quand t'es petit youtubeur, et quand tu connais pas tout ce qui est fond vert, bah c'est un peu la merde, je t'avoue. Bah, par contre, j'ai pas envie de mourir, donc bon, on va éviter... Est-ce que toi tu me donnes un champignon? Oh, c'est risqué ce que je fais, hein. Non, mais il y avait le champignon. Oh non, c'est triste là. Ah, c'est triste. Oh voilà, oh, ça va, c'est un vie, ça va. Mais ouais, non, sur le coup je me disais c'était vraiment vraiment bizarre, quoi. Putain, le fond vert qui déconne. Là il déconne pas, hein. Là il déconne vraiment pas, mais c'est vraiment bien ça. Est-ce que je peux? Allez, monte. Ah, tu peux. Pourquoi tu peux pas? Mais il est nul, Mario. Mais monte. Ah oui, je peux faire ça aussi, c'est vrai. Il y a un champignon quelque part. Là, il n'y a qu'une pièce à la con. Là, je pense qu'on va rush le niveau, hein, parce que bon, j'ai un peu du mal, je t'avoue. Donc je pense qu'on va même pas récupérer les pièces. Je sais même pas si on va faire le 100%, hein, parce que là j'ai vraiment, vraiment du... Oh, t'es pas sérieux. Mais vas-y, donne-moi ça, là. Non, mais tombe pas. Oh, c'est bon. Nickel. Comment je fais pour monter? Oh non, mais... Ah, c'est la merde ça. Si je passe comme ça. Attends, comment je fais pour récupérer ça là? Ah, c'est bon, j'ai réussi à récupérer ça là.
C'est easy, c'est easy, c'est easy. Oh là là, oh c'est pas easy. Oh non, 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 c'est bon. C'est bon la neige qui me tombe sur la tête, quoi, au bout d'un moment. Est-ce que je peux la faire fondre? Je peux même pas la faire fondre, mais j'ai du feu! Non! Oh non, t'es pas sérieux. Ah, attends! Oui, c'est bon, nickel. Du coup, j'ai deux pièces. Attends, si je passe comme ça... Oui, c'est bon. Heureusement que j'ai les boules de feu, quand même. Hein. Ça m'aide énormément. Quoi? Je me suis fait toucher? Bon, ça va. Non, mais non! Mais non! Mais c'est quoi, ce délire? Mais c'est une blague, c'est une blague! Putain, c'est une grosse blague. Vas-y, 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 vas-y. Oui, c'est bon. Putain, il était pas facile, ce niveau, en fin de compte, hein. Ah, vu comme ça, au début tu dis, oh, c'est un monde vraiment très très simple, hein. Mais bon, les boules de neige qui tombent sur la tête, tu restes pendant 2-3 secondes paralysé, et puis là, les Goombas, ils sont bien pour te taper dessus, quoi. Enfin, ils te marchent dessus, concrètement. C'est un peu ça, quoi. Non, mais ouais, c'est vrai que le fond vert est totalement magnifique, là. Je pense que je ferai comme ça dans les prochains streams, parce que franchement, elle me donne mal aux yeux, justement, ce système d'éclairage vers la droite, parce que... Quand je joue justement sur mon deuxième écran, je fixe mon deuxième écran, mais par contre, j'ai toute la lumière qui arrive sur ma gueule et c'est vraiment, vraiment très, très chiant. Donne-moi mon champignon, toi. Oh, les Nosferapti. Oh là là, les. Pff, ça fait trop mal, ça. Oh là là, j'ai fait un glitch, c'est pas possible. Non, j'avais des frames d'invincibilité, heureusement. On dirait les Krabby. Alors là, c'est quand même vachement chaud, là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, ça va. Est-ce que je dois le prendre, ça? Je pense que je dois le prendre. Non, mais t'aurais dû sauter! Pourquoi la chauve-souris, elle est pas montée... Enfin, voilà. Une hypothèse. Pourquoi la chauve-souris, au moment où elle est tombée dessus, justement, pourquoi elle a pas sauté? C'est un trampoline! Oh, je suis triste là, franchement je suis assez triste là d'avoir perdu contre un espèce de truc à la con là. Oh, j'ai eu de la chance là. Tu vois, c'est chiant ça, en plus ça glisse de partout, ça peut te sauter à la gueule. Oh là là, mais c'est... Ce skill mon gars, ce skill les amis, ce skill. Comment je fais pour passer là maintenant? C'est bon, je réussis à passer. Ah ouais, d'accord, mais attends, faire attention. Là. Ouais, non, easy, easy. Oh, j'aime pas ce niveau, j'aime pas ce niveau, j'aime pas ce niveau, j'aime pas ce niveau. Ah, j'aime pas ce niveau! Ah, c'est bon, ça passe. Ah, je suis déjà à la fin. Ah, oh, j'ai récupéré une pièce, mais à la fin, quoi. La troisième pièce du fin de niveau, quoi. Putain, c'est nul. Oh, j'ai même pas eu la vie! Oh, la vie, elle est passée où, la vie? C'est quoi ce délire? Oh là là, je suis un petit peu déçu, là. J'ai pas récupéré de vie, hein. Ouais, c'est dommage. Ah, direct, la tour, déjà, donc... Il faut savoir, justement, au niveau des mondes en question, quand on arrive à peu près à la tour, c'est le moment où on peut sauvegarder, et le moment où... Ah ouais, elle est plus long, celui-là. Oh, elle est plus long, celui-là. 1, 2, 3... 4. Il y aurait 4 niveaux après cette tour. Bon, on va faire la tour et après on va s'arrêter là. Donc je pense que ça reviendra justement tous les mardis. Parce que je pense en tourner justement un peu plusieurs. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas tourné et ça me fait plaisir justement de rejouer à Mario et bien de rager dessus justement. Oh, j'ai récupéré la pièce, c'est génial ça. Donc du coup, ouais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné du Mario et ça m'a un petit peu manqué, je t'avoue. Oh là là là, mauvaise idée de faire ça quand même, hein. Même si c'est pour récupérer les pièces et dire que je suis en BG, ne pas mourir, oh là là, ne pas mourir et je suis en train de me faire défoncer, sachant que les Skelerex ils répop. Ah, oh, c'est la merde quand même. Oh, c'est beau ce que je viens de faire. Ah, j'ai pas récupéré la pièce, dommage. Il y a une pièce ici. Non! Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée! Non! Dommage. Elle est pas facile le monde 5. Hein. Le monde 5, je me rappelais plus que c'était la neige.
Mais tu sais qu'il y a un monde justement, je crois que c'est le monde de lave, je crois que c'était le monde 8 ça. Il y avait un monde justement dans une prairie, mais je crois qu'il faut débloquer une espèce de warp zone justement. Alors, je crois que c'était justement au niveau du manoir en question, on pouvait avoir un drapeau rouge et justement le drapeau vert, donc ça c'est vraiment la petite fin de niveau justement principale, et t'as aussi la secondaire, nous on appelle ça une warp zone en fin de compte. Mais non, mais là, c'est n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas de Mario à ce moment-là, justement, grand? C'est n'importe quoi, ça. Pourquoi tu me donnes pas un grand? Bon, après, j'ai aussi la fonction du tactile pour récupérer les power-up, mais bon, je me suis dit, j'ai pas vraiment besoin. Mais là, je suis vraiment une bille, là. Voilà, nickel. Et là, t'as des champignons, là, ou pas? Oui, t'as des champignons. Quoi? Oh, j'hallucine, j'aurais pensé passer à travers. Oh non, t'es sérieux? Là, ça serait plutôt le niveau de la rage. Là, je pense que le titre, ça sera je vais rager. Non, non, ça sera le fond vert. Le fond vert veut ma peau. Oh, c'est pas mal ça comme titre. Le fond vert veut ma peau. Le fond vert, bataille avec le fond vert avec la peau. Le fond vert veut ma peau. Ah, je sais pas. Ça, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'idées moi pour les titres, mais là, c'est plutôt stylé. Le fond vert veut ma peau. La bataille avec le fond vert. Ah, j'hésite entre les deux quand même. Je sais pas, je me pose la question. Ah ouais, du coup, ouais, donc ça va. Les Skullrex retombent pas. Ne revivent pas en fin de compte. Quand c'est ces espèces de boule de pique là, d'accord. Ah, ça je savais pas ça. C'est vrai que ça revenait quand même à la vie, mais non. Du coup, c'est quand même pas mal justement de se prendre des. Ah, ça serait bien justement de monter. Monter! Montez! Non, mais montez! Oh là là, il monte jamais, Mario! Oh non, t'es sérieux? C'est pas bien ça. Oh, c'est pas bien ça, c'est pas bien du tout ce qu'ils font là. Non, non, je suis désolé, on fait pas ça au bout d'un moment. Est-ce que c'est le bon chemin? J'espère que c'est le bon chemin. Ah, heureusement que ça a été le bon chemin. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Oh là là, t'es pas sérieux. Non! Mais quel con! Pourquoi j'ai voulu prendre un power-up? Je me suis dit, il y avait un power-up ici, je suis mort comme une merde. Oh, c'est pas possible, c'est quoi cette tour là? Bon, allez, encore une tentative. Pour moi, c'est la dernière. Si j'y arrive pas, c'est vraiment que je suis le plus nul à Mario. Vous direz dans les commentaires, oh là là, il est trop nul, il a pas réussi ce niveau. Vous direz ça dans les commentaires, d'accord? Je compte sur vous, hein. Non mais non, je suis désolé. Ce que vous avez pu voir justement était une erreur. Je pense que vous avez vu ça justement dans le futur que j'allais mourir. Mais moi je vous parlais au moment présent. Du coup ça ne compte pas. Non non, c'est vraiment cette vie là parce que sinon c'est le game over tout simplement. Donc du coup sur cette vie là, si vous regardez vraiment la vidéo, vous me direz dans les commentaires. Comme ça je verrai si les gens regardent les vidéos. Parce que bon, il y avait un truc que je voulais vous signaler. Mais bon, je voulais pas signaler parce que bah j'ai pas vraiment montré encore le setup. Le setup aussi, c'est vrai que je vous ai pas encore montré le setup parce que je l'ai pas tourné. Mais je disais en fait l'autre vidéo, le Spectro Point qui allait sortir justement, je parlais d'un sujet justement. Mais vu que la vidéo n'est pas sortie, ça sert à rien de parler sur ce sujet. Donc voilà. Et donc du coup, si vous vraiment vous regardez la vidéo, je verrai dans les commentaires qui me dirait ah, Spectre est vraiment nul à ce jeu. Vous mettrez en commentaire Mario YOLO, voilà, vous marquez Mario YOLO, et là je verrai si vous avez vu la vidéo vraiment en entière, ou à un moment de la vidéo, tout simplement. Et là j'ai pas envie de mourir, t'es sérieux là? Non c'est pas bon, c'est pas bon, je vais pas mourir, sinon c'est Mario YOLO dans les commentaires, c'est pas bon. C'est un peu la loose là. Il faut absolument justement que je récupère un putain de power-up à la con, parce que là, ça devient vraiment la merde là. Si je récupère pas de power-up, tu veux que je fasse comment? Bon après je sais que j'ai le power up justement hein, sur l'écran tactile. D'ailleurs je pourrais très bien l'utiliser hein. Je sais pas pourquoi je l'utilisais pas au tout début. J'aurais pu l'utiliser et puis là vous allez dire YOLO Mario. YOLO Mario ça sera oh là là il est trop BG à Mario. Voilà. Attends. Non non c'est un peu compliqué ce que je dis. Mario YOLO. Non YOLO Mario. Ouais ça sera YOLO Mario. Justement c'est si je perds ce niveau. Et sinon vous mettrez au qu'est-ce que vous voulez en fait dans le niveau. Ah oui c'est vrai. Ah ça glisse putain c'est vrai. Je le sens pas. Il peut pas tomber. Tu peux pas tomber. Il peut pas tomber. C'est une blague.
Oui, c'est bon, j'ai réussi. Non! Oh putain, j'ai chaud, j'ai pas. Sinon, j'aurais eu Mario YOLO dans les commentaires, c'est pas bon. Ah, oh, ça va, j'ai réussi ce niveau, c'est quand même une bonne chose. Là, ça vaut un petit blague. N'importe quoi. Du coup, il y a 1, 2, 3, 4 pour finir le monde 5. Mais après, on passera au monde quoi? Monde 6, monde 7 ou monde 8? Ah, je sais plus. Je sais que je vous montrerai les Warp Zones, justement. Il y a quelques personnes qui m'ont mis en commentaire tout ce qui est Warp Zone, bonus, etc. Je vous montrerai dans des vidéos spéciales et pas dans le niveau principal, justement. Là, c'est l'épisode 4. Donc là, je vais tourner l'épisode 5. On a déjà 50 pièces, hein. Et comme quoi, et en 4 épisodes, on a fait 50 pièces. C'est une bonne chose. Bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là, en tout cas, sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je sais pas, il a duré combien de temps, en tout cas. Je sais pas, c'est quoi, ça sera quoi le titre de la vidéo. Je pense la bataille avec le fond vert ou le fond vert veut ma peau. Ah, j'hésite, je t'avoue j'hésite. Peut-être je ferai un petit sondage sur Twitter. Écoutez, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like des familles, un petit commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur New Super Mario Bros. Que je vais, eh bien, upload dès maintenant en tout cas. Moi je vais tourner à la suite, salut tout le monde. Putain, le fond vert il a déconné quoi.